Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, Pathfinder 7. Du coup, ce sera une vidéo un peu particulière. Donc, ce sera une vidéo euh, qui ne sera pas du tout très longue. Je tenais à m'excuser, euh, étant donné euh, que je suis pas souvent chez moi. Donc, euh, voilà, je bouge souvent. Du coup, j'ai pas eu le temps. Donc, euh, euh, la carrière sur Minis Batch. Euh, du coup, je vais, c'est certain que je la tournerai. Mais je vais vous dire que le prochain épisode, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. J'ai l'idée en tête. Mais en ce moment, j'ai pas trop le temps. Je tourne à droite et à gauche. Voilà, euh, je profite des vacances en même temps. Voilà, donc je suis un peu moins actif sur YouTube. Je m'excuse, mais de euh, toute façon, je vous l'ai dit. Je pense que cet été, euh, j'essaierai de faire quelques vidéos de temps en temps. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos euh, étant donné que j'ai suis en vacances. Bon, c'est vrai que je pourrais trouver le temps, mais bon, je m'amuse, tout ça. Voilà, bref, voilà. Je suis avec mes copains hein, de ça. voilà Et euh, je voulais dire donc euh, pour la rentrée, de toute façon, je referai toujours euh, des vidéos le même style de, de vidéo de toute, façon, je, bon, de toute façon on en recosera euh, prochainement on en recausera, on, excusez-moi on en recosera, -moi, on en recosera euh, la prochaine euh, je pense fin des vacances euh, peut-être fin août voilà bref voilà je vais pas non plus euh, tarder sur le sujet voilà voilà j'ai des informations super intéressantes euh, donc il y j'ai quelques infos sur le DLC sur le DLC Platinum qui sortira euh, le 14 novembre 2007 voilà euh, je voulais vous dire que euh, bon, euh, je serais pas non plus, euh, je suis pas non plus trop euh, tarder là-dessus, parce que j'ai pas, bon, on sait que de toute façon il y aura récolte de canne à sucre tout ça, mais euh, de toute façon je referai d'autres vidéos sur euh, l'édition euh, Platinum, parce que quand ils sortiront euh, plus de détails, je ferai une vidéo plus détaillée. Donc, voilà. Donc il y a un truc qui est super intéressant. Donc voilà, c'est ça, les vaches. Donc on aura toujours les vaches, moutons, porcs, mais là on a les vaches. Euh, fi euh... Comment dire Les vaches qui sont vraiment euh, typiquement euh, Amérique du Sud, quoi. Euh, des vaches euh, lo, du bétail locaux, local. Et euh, du coup, euh, je pense pas que sur Goldcrest Valley on trouvera ces vaches-là. Je veux dire, euh, c'est que les vaches, euh, ou alors peut-être qu'il une autre, euh, tête ils vont peut-être acheter vaches laitières et vaches euh, à viande. Bon ça là me font plus penser vache à viande. Mais bon après voilà. Mais ouais franchement c'est super sympa de leur part qu'ils ont mis ça. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis. Euh, bon le DLC sort euh, 14 novembre 2007, Donc euh, dans à peu près 5 mois. Euh, 4-5 oh, mois. Euh, donc voilà. Donc il y a un autre DLC qui sort après euh, Après le DLC Platinum. Il y a un autre DLC qui va sortir. Bon malheureusement c'est pas du tout Giant Software qui l'ont créé. Mais euh, il sera pour Family 7. Ça me rappelle un peu un DLC qu'on a eu sur Family 11 qui n'était pas créé par du qui était pas créé euh, par Giant qui était créé je crois par Astragon oh je sais plus quoi c'était pro -farm. franchement il était pas mal il y avait les moissonneuses Newland, TX euh, quelques tracteurs Newland. Bon, pour ceux je pense qu'ils doivent connaître voilà, bref, donc là c'est euh, le Delstay strongberg Strongbergung, c'est allemand. Donc, je pense qu'ils sortiront sur. Euh... Là, je suis pas sur Amazon France, sur Amazon euh, allemand, Allemagne. Du coup je pense qu'ils vont le mettre sur Amazon France, bref, je sais pas. Mais je pense que oui, ils vont pas tarder là. Du coup voilà, il sort le 30 novembre 2007. Et euh, la Krone Primo, Alors moi je sais pas si je vais l'acheter. Honnêtement, je... ça me titille bien, je vais attendre un peu, mais je pense que je me l'achèterai. Pour l'instant, c'est pas sûr du tout. Mais euh, franchement, il est intéressant. C'est euh, la crône se... Bon, malheureusement, elle n'est pas sur le marché encore. Mais elle va pas tarder, je pense, peut-être d'ici un an ou deux ans. Euh, elle sera sur le marché. Et en fait, cette krone, euh, elle sert à ramasser... Euh, à la base, c'était pour la luzerne. Mais euh, j'ai vu qu'il voudrait aussi ramasser euh, les andins de paille pour faire des granulés. Donc ce sera une machine à granuler. Donc je vais vous présenter ça un peu plus au détail. Donc on va y sur les infos. Je vous mettrai tous les liens, de toute façon, en espace... Euh espace comment non pas espace commentaire espace euh... dans mes euh... voilà vous m'avez compris je vous mettrai ça en lien vous inquiétez pas voilà euh... alors voilà alors, là on a une fourche là euh, je crois que c'est une fourche ou c'est carrément je sais pas trop ce que c'est ils disent pas allemand je donc je fais pas d'allemand je suis vraiment désolé alors ça c'est franchement c'est intéressant ça en fait c'est le alors ça c'est longueur ça c'est euh... on met je pense les granulés les granulés là-dedans la benne elle vient baigner là-dedans et du coup, ça va ramener ça sur un tapis. Et ensuite, ça va transformer ça en un sac. Donc, ça, c'est la compte Primo. Donc, ça, c'est pour ramasser les boîtes. Et on sait pas euh, ce qu'il y aura d'autre. Donc, euh, coming soon. Donc, je pense qu'il y aura peut-être. Bah, je sais pas si il y aura des faucheuses. Ça pourrait être intéressant qu'il y ait des faucheuses Je sais pas. Franchement, il y a des trucs intéressants. Donc voilà. Euh, voilà, c'est ça que je veux montrer. Voilà, vous avez vu. Ça, c'est super intéressant. Euh, dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. Si il y a une vidéo, je vous la montrerai volontiers. Mais là, il n'y a pas de vidéo pour l'instant. Donc, voilà. Donc voilà pour le DLC Krone. Donc voilà. Bon bah écoutez, si cet épisode, euh, si cet épisode vous a plu, euh, cet épisode, cette vidéo vous a plu, mettez un like, c'est toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.